Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne L'Atelier Créatif de Miss Lolo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ici ça va. On est aujourd'hui le lundi 13 décembre, il est bientôt 18h15 et je viens vous faire une vidéo. Alors ça faisait longtemps. Je suis désolée, en ce moment c'est un peu chaotique de mon côté entre le boulot, la maison, enfin bref, fatiguée. C'est pas grave, ça va passer, c'est secondaire. Du coup, je prends le temps ce soir, je me motive de vous faire une vidéo pour refaire un tirage au sort suite à mon dernier concours effectué. La personne ne s'est pas manifestée, donc j'avais dit jusqu'au vendredi 10. On est le 13, je n'ai toujours pas de mail de Nadine, donc je ne sais pas ce qui se passe. Donc je refais un petit tirage au sort. J'ai bien évidemment retiré le petit papier où il y avait le prénom de Nadine. Du coup, ce sont toujours les mêmes personnes qui avaient participé lors de mon concours que j'avais fait du coup il y a un peu plus d'une semaine maintenant. Donc je vais remélanger mes petits papiers. Hop. Je mélange, je mélange. Oh, il y en a qui s'est sauvé. Je le remets. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons? Et voilà, c'est Laetitia Durand qui gagne la toile mystère que j'avais du coup mis en jeu. Laetitia, n'hésite pas à me contacter par mail. Je vais remettre mon adresse mail en barre de description. Du coup, Laetitia, je te laisse jusqu'à samedi pour me contacter. Donc, samedi, nous serons le 14, 15, 16, et nous serons le 18 décembre. Je te laisse jusqu'à samedi. Si jamais tu ne me contactes pas, je referai un troisième tirage. Donc, félicitations à toi. Je te remercie de me suivre sur la chaîne. Et je suis contente que tu aies gagné ce lot. J'espère que ça te plaira également. Je laisse ton petit papier au-dessus de ma pile. Comme ça, au moins, si tu te manifestes, de toute façon, je sais que c'est toi qui as gagné. Je profite également du coup pour continuer un petit peu la vidéo avec vous. Je voudrais vous montrer un petit peu plusieurs petites choses que j'ai effectuées dernièrement. C'est des DP que j'ai fait depuis un moment et que je ne vous ai pas montré en vidéo. Si jamais je vous les ai déjà montrés pour certains, je suis désolée. Je n'ai pas revisionné la dernière vidéo des produits effectués. Du coup, ça se peut que vous les revoyez. Bon, je pense pas que ça soit gênant, mais dans le doute, ne soyez pas étonnés. Du coup, on va commencer par mon grand porte-vue A2. Alors, du coup, je vous porte en même temps, vous allez pouvoir voir un petit peu tout ce qui se passe à l'intérieur, mes petites gorgeous, ma petite Kokeshi que j'ai fait déjà il y a un sacré moment, mon petit Olaf que j'avais fait l'année dernière également, mon petit Bambi, un petit Panpan, hop, ma petite Marie et mon roi lion que je vous avais déjà présenté. Marie, je vous l'avais présenté également. Ensuite, je ne sais plus si je vous avais montré ce DP. C'est un DP. Alors, je vous bouge, je suis vraiment désolée. Ça va être une vidéo un petit peu chaotique, je vous le dis. Donc, c'est un DP que j'avais acheté sur le marché pendant mes vacances du mois d'août. J'avais dû payer 8 euros. C'était un 40 par 50 que j'ai modifié en mettant DAB dans les petites feuilles ici. Dans les cœurs, j'ai mis DAB. Dans les yeux, j'ai mis DAB. J'ai mis des strass aussi et DAB dans le nœud ici. Dans les cœurs bleus, ce sont DAB également. Et ce petit DP, je l'avais choisi parce que ça me faisait penser à mon fils et ma fille, tout simplement. J'adore les petites chouettes, les petits hiboux. Donc voilà pour ça. Ensuite, ça, c'était le DP mystère que j'avais eu en cadeau à Sabrina, ma copine Sabrina, les passions de Sabrina, et que j'étais très très contente d'effectuer. Ensuite, ça, c'est un DP que j'ai fait il y a un certain temps, que j'avais eu en partenariat. Je ne suis pas sûre que je vous l'avais montré. C'est un 30 par 60 que j'ai trop aimé faire. Horloge papillon comme ça c'était un réel plaisir à faire. Je vous mets comme ça, au moins vous le voyez complètement.
Il était super agréable à faire, très joli. Il y a des abbés, il y a des strass. Enfin, franchement, tout ce que j'aime, c'est un partiel. Bien évidemment, le fond n'était pas effectué. Et je l'avais eu lors donc d'un partenariat, comme je vous disais. Par contre, je ne saurais plus vous dire la boutique. Je ne saurais plus vous dire. Ensuite, ça, c'est un DP de chez Oraloa que j'ai eu pour mon anniversaire par mon chéri. Je pense que je vous l'avais montré, celui-là. Ensuite, ça, je l'ai fait il y a un moment déjà, mais je ne sais plus si je vous l'avais montré. J'ai un doute, mais ça fait très longtemps, hein, ça date de l'année dernière. Du coup, voilà pour mon petit porte-vue, un petit, voyons, passons parler, mon petit porte-vue à deux. Voilà. Du coup, je vous mets en pause le temps de sortir le plus petit. À tout de suite. Voilà, donc là on passe sur un plus petit modèle, donc c'est plus pratique à vous montrer. Donc c'est un carnet de croquis que j'avais acheté, comme je vous disais, chez Action. Et dans ce carnet de croquis, j'ai rassemblé mes DP en diamants spéciaux sur le thème Disney. Hop, on a Réponse, on a Tiana, ma petite Marie en diamant cristal. Alors, petit Winnie l'ourson en diamant cristal également. J'ai fait également Stitch en partiel en diamant, c'est du strass. Hop. Donc là, il y a le Stitch à faire avec la petite oreille et le fond n'est évidemment pas effectué. Ensuite, j'ai fait le Stitch tout en cristal également. Et j'ai fait la petite sirène. Donc ça, je ne sais plus trop. C'est mes DP de octobre, novembre, et je pense qu'il y a même septembre réunis. Je ne me souviens plus trop la dernière vidéo, vraiment, des projets terminés que je vous ai faites. Donc là, je vous fais vraiment un petit, en même temps, un petit récap de tous les derniers DP que j'ai fait. Je vous remets en pause et je vais chercher la suite. À tout de suite. Alors ici, c'est un autre carnet de croquis. Et là-dedans, par contre, c'était du provisoire. Ce sont mes DP 30-40 pleins en diamant rond de Disney. Toujours sur le thème Disney. On a Pikachu qui s'est petit, qui s'est mis avec. On a Belle. Là, c'était une fée que j'avais eu, que j'avais achetée sur Amazon, il me semble. Ma petite Marie, il n'y a même pas que du Disney là-dedans, c'est juste mes diamants, mes toiles pleines en fait, en 30 par 40 et petits modèles comme ceci. On a Cendrillon, mais tout ça je vous les avais montrés, il me semble, celui-ci je vous l'avais montré également. Là, le petit chien renard, on avait ri avec ça, je vous l'avais montré également. La petite sirène comme ça, je vous l'avais montré, c'est un des premiers DP. Et là, ici, on a Dembo. Je pense que celui-ci, je vous l'avais montré aussi. Mais bon, comme ça, comme je vous disais, vous aurez un petit récap des DP que j'ai effectués au cours de l'année, en fait. Ça peut être sympa aussi. Donc voilà pour ça. Je vais vous remettre en pause et je vais chercher la suite. Alors ici on est dans un album de scrapbooking 30 par 30. Je pense que je vous avais montré qu'en attendant j'avais mis mes couronnes à l'intérieur. Donc la couronne de Minnie et Daisy, ma couronne licorne. Alors, je vais vous surélever parce que j'ai la lumière qui tape dedans. Voilà, comme ça vous voyez super bien. Alors dernièrement j'ai fait ce petit Père Noël. Je vous l'avais présenté en unboxing. Je l'ai fait le mois dernier. Voilà pour ce petit Père Noël. Et j'ai également fait ce petit escargot que j'avais eu également en partenariat. Comme je vous disais, je ne sais plus vous dire les boutiques. J'avais tout noté et en fin de compte, je n'ai pas pris mon petit carnet avec moi. Donc, je suis même pas à jour non plus dans mon carnet. Donc, c'est pas très grave. Je vous dirai. J'avance dans mes DP au fur et à mesure. C'est pas noté, c'est pas très grave. Enfin, mon carnet est pratique pour quand je fais des vidéos, mais en fin de compte, vu que je ne l'ai pas pris, ça sert à rien. Hein? Donc voilà. Enfin bref, voilà pour ce petit DP, tout en cristal, plein de couleurs. Moi, j'ai adoré le faire. Enfin, des trucs comme ça, je kiffe. Donc, je vais vous remettre une seconde, une troisième ou quatrième fois en pause et je vous reprends tout de suite pour la suite. Alors, ici, on est sur mon porte-vue en A3.
Et dans ce porte-vue, j'ai fait... alors, que je vous dise pas de bêtises, je pense pas vous les avoir montrés. J'ai fait ce DP-là, Mickey et Minnie. Donc, c'est une jolie couronne de Noël, tout en diamants spéciaux. Donc, moi, j'ai coupé autour, en fait, et j'ai collé sur une feuille noire. J'adore les feuilles noires, les fonds noirs comme ça, c'est ce que je préfère. Je trouve que ça rend super bien. Donc, voilà pour ça. Ensuite, j'ai fait... celle-ci de Noël également, voilà, en diamants spéciaux. Ensuite, j'ai fait la petite tête, alors je vous tourne, la petite tête de Mickey en forme de couronne de Noël, tout en diamants spéciaux également, très joli, très agréable à faire. Et j'avais fait également ce petit pingouin, je vous fais tourner aujourd'hui, j'espère que vous n'aurez pas le tourni à cause de moi. Voilà pour ça. Ensuite, dans ce petit porte-vue, au niveau des princesses, je n'en ai pas fait plus. J'en ai encore à faire, mais je n'ai pas encore continué. Donc voilà. Par contre, j'ai continué ma petite collection des Gorgeous en diamants spéciaux. J'ai fait celle-ci, que je vous ai présentée dans un de mes derniers unboxings. Et j'ai fait celle-ci également. Enfin, moi, j'adore. J'en ai une en cours, d'ailleurs, que j'ai commencé tout à l'heure. Que vous verrez dans la prochaine vidéo du coup. Donc voilà pour mes petites Gorgeous en diamants spéciaux. Ensuite, de ce côté là, qu'est-ce que j'ai? Ouais, celui-ci, je suis pas sûre que je vous l'avais montré. Donc celui-ci, c'est un DP spéciaux qui vient de chez Goodfell, il me semble, que j'ai beaucoup aimé faire aussi. Celui-ci que j'ai fait également, qui vient du partenariat Goodfell, en 30x40 en diamants spéciaux. Celui-ci, il me semble que je vous l'avais montré. Et ceux-là, il me semble que je vous les avais montrés également. Mais du coup, hop, je vous refais un petit aperçu de mes petits DP. Voilà. Mes petits papillons, mes petits hiboux, mes petites chouettes. Hop. Et voilà. Alors du coup, j'ai encore deux petites choses à vous montrer. Je vous mets en pause. À tout de suite. Ici, on est donc dans mon porte-vue A3 où je mets mes Gorgeous. Donc c'est du diamant rond, c'est des 30x40. J'ai fait celle-ci dernièrement. Hop, je vous repose. Je vais vous montrer tout à l'heure, cet après-midi, j'ai terminé celle-ci. Donc toujours en 30x40. Celle-ci venait de chez Teen Me Arts. Je n'avais pas de diamant AB avec, parce que c'est vrai que ce vendeur propose des diamants AB. J'avais programmé, en faisant ma commande, j'avais sélectionné les AB. Finalement, je n'en ai pas eu, c'est pas très grave. Et l'autre, par contre, il vient du vendeur sur AliExpress, Nikom Store. Donc ça, ce sont des DP que j'avais achetés au moment de la fête des mères. Donc ça remonte à plusieurs mois et je les ai fait là récemment. Donc voilà pour ça. Ensuite, pour mon porte-vue, pardon, avec mes Gorgeous, je n'en ai pas fait de nouvelles. Ce sont les deux seules que j'ai faites. Et les autres, je vous les avais déjà montrés. Donc il n'y a pas de nouveauté dans ce porte-vue. Donc voilà pour ça. Je vais vous chercher mon dernier petit carnet de croquis. Alors ensuite, je vous avais dit que j'avais acheté un tout petit carnet de croquis en A4. Chez Action, et à l'intérieur, en fait, je mets mes tout petits DP en 15x15. Donc là, je vous avais déjà montré que j'avais fait ceux-ci qui viennent de chez Action. J'ai laissé la place pour les prochains. Et ensuite, je mets mes petits DP de ces collections-là. La petite abeille, la petite baleine, il me semble que je vous l'avais montré également. Entre deux, je mets mes petits stickers. J'ai fait ma petite tortue. J'ai fait la petite chouette, que j'aime beaucoup. J'ai fait le petit éléphant, ça c'est un des derniers que j'ai effectué également. Les petits stickers que j'ai mis entre deux. Et dernièrement, j'ai fait le petit lapin. Ça c'est le dernier que j'ai fait. Si je dis pas de bêtises.
C'est le dernier que j'ai fait. Et après, entre deux, ce que j'ai fait, ouais, j'ai mis des petits stickers. Là, c'est les petites sirènes. Et j'ai fait les stickers Mario. Je sais plus, c'est ça, je vous les ai montrés. Je sais que je les ai mis sur Instagram. J'ai une page Instagram également qui s'appelle, comme la chaîne, l'atelier créatif de Miss Lolo. N'hésitez pas à aller jeter un œil si ça vous intéresse. Si j'arrive à vous mettre le lien en barre d'infos, je le ferai. J'essaierai, je n'ai jamais trop regardé comment on mettait le lien. Mais je regarderai ça sans souci. Ensuite, j'ai pas fait que du DP dernièrement, donc il y a de ça 2 semaines, j'ai monté un set Lego. Je vais vous le montrer tout de suite. Pour la petite histoire, c'est un petit cadeau que j'ai reçu de mon chéri cet été. J'avais flashé sur cette boîte, il m'a fait plaisir. Il m'a offert le set, j'étais ravie. J'ai attendu un long moment pour monter ce set, je vous explique tout de suite pourquoi. Je vous mets en pause et je vous mets de l'autre côté. Pour vous montrer ce petit set. À tout de suite. Et voilà, bon, soyez indulgents, on est toujours dans mon garage, on est juste dans le sens inverse de là où je filme d'habitude quand je fais du DP. Je l'ai mis là tout simplement parce que mon petit set Lego, si j'ai mis du temps à le construire, c'est tout simplement parce que j'ai attendu un petit peu. Parce que j'attendais une livraison, alors je vous montre ça tout de suite, de l'éclairage. J'ai acheté sur AliExpress l'éclairage qui va avec le set Winnie l'ourson sur AliExpress. Et là, j'étais trop contente parce que je trouve que ça rend plutôt bien. Trop bien même, moi je kiffe. C'est mon petit dada. La petite maison de Winnie l'ourson. Alors je vous tourne, ne faites vraiment pas attention, on est au-dessus de ma machine à laver exprès parce que j'ai la prise qui est juste au-dessus, donc c'était plus simple pour vous montrer. Hop. C'est un peu galère, j'ai pas envie de tout faire tomber pour être honnête. Alors je vais tourner comme ça, voilà, comme ça vous pouvez voir un petit peu l'intérieur. Enfin, moi j'adore. C'est mon petit kiff à moi. Donc, j'ai eu mon chéri qui m'a aidé à monter l'éclairage. Parce que toute seule, j'avoue que c'est un peu complexe. Il faut vraiment être à quatre mains pour faire ça. Donc voilà, j'ai attendu longtemps avant de construire parce que je l'ai eu cet été au mois d'août, mais j'ai mis longtemps à le construire parce que je voulais vraiment commander cet éclairage, je voulais être sûre de moi. Une fois commandé l'éclairage, bien évidemment, il fallait attendre de le recevoir. Puis comme j'aime beaucoup faire du DP, il fallait choisir entre faire le DP ou construire le Lego. Mais je n'ai aucun regret, enfin franchement, je le kiffe. Bien évidemment, je ne le laisse pas dans mon garage, hein. Là, c'est parce que c'était pour vous montrer, pour filmer. Quand les enfants sont présents, c'est plus simple d'aller dans le garage. Sinon, bien évidemment, il est installé dans la salle à manger. Et ça fait juste magnifique avec les décos de Noël. Enfin, moi, j'adore. J'adore. Je me répète, mais c'est pas grave. Donc voilà, je voulais vraiment vous montrer un petit peu mon petit univers hors d'épée. Donc c'est aussi les Lego, c'est mon petit truc à moi. Donc voilà. Voilà. Bon, surtout soyez indulgents, hein. Je filme dans mon garage, je reprécise, hein, parce que bon. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous reprends de l'autre côté, ça sera plus simple. Donc je vous disais, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Depuis le temps que je dois vous faire cette vidéo de mes produits terminés, ça fait un moment que je dis que je dois le faire et je ne le faisais pas. J'ai eu vraiment un manque de motivation, je ne vous dis pas le contraire. Bon, il y a des hauts et des bas moralement, mais bon, ça c'est la vie privée, je n'en parlerai pas sur YouTube. C'est des choses qui arrivent à tout le monde, donc c'est comme ça. Du coup je vous souhaite à tous et à toutes de faire de très jolies DP. Si je n'ai pas le temps, parce que je ne sais pas du tout comment ça va aller d'ici là, je vous souhaite à tous un très bon réveillon de Noël, passez un bon Noël en famille, profitez bien, régalez-vous, profitez de la famille et de vos amis. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et éclatez-vous dans vos DP. A plus tard
les loulous, j'allais dire, pourquoi pas. À plus tard, à bientôt. Bonne soirée ou bon après-midi, tout dépend quand vous regarderez ma petite vidéo. Bisous, bye bye.